Voilà, bonsoir fidèles téléspectateurs. Vous êtes nombreux à l'attente de ce programme Grand H, Grand Homme. Et vous allez connaître un grand, et vous allez aussi l'apprécier. Vous allez connaître son parcours, et pourquoi pas aussi ses différentes ambitions. Il va aussi donner ses différents points de vue sur les différentes actualités. Voilà, il s'agit bel et bien de monsieur Nefi Fanfan, Man Sentiment, qui est président de ce grand mouvement citoyen de son enfant. Et avec lui, on va vraiment échanger. Et vous allez aussi connaître ces grands qu'on reçoit pour vous ce soir. Bonsoir, monsieur Fanfan, Man Sentiment, Défi. Bonsoir, monsieur Doudou Montiri. Vraiment. Très content de vous recevoir parce que c'est pour moi une très grande joie. Et surtout pour nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent et internautes. Moi aussi, la joie est partagée parce que on est déjà des habitués. Je sais que beaucoup nous suivent et beaucoup nous appellent aussi pour apprécier la pertinence des sujets que nous abordons, surtout pour les jeunes. Très bien. Alors, monsieur Fanfan, mon sentiment, la première rubrique, c'est bel et bien votre parcours. On doit vous connaître à fond parce que c'est très capital pour respirer aussi cette jeunesse qui vous suit en ce moment. Qui Bon, vous suit nombreux en ce moment. merci beaucoup. Fanfan Manzianti, c'est un jeune qui a grandi comme tous les autres jeunes. Né en République démocratique du Congo, précisément dans la province d'Ibakongo, c'est là où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Dans une grande famille des femmes et des hommes, parce que nous sommes tous devenus, moi je suis le cadet. Et c'était pas aussi, j'ai pas eu vraiment une enfance riche. Hein. C'est cet enfant-là qui allait à l'école à pied, mais qui avait les soucis d'étudier. Avec des parents qui se battaient, malgré toutes les difficultés de la vie, nous avons traversé la grève déjà vers les années 91-92. On a perdu une année, et puis c'était les parents qui devaient prendre en charge les études. C'est ce jeune-là avec qui nous avons commencé à secondaire. Déjà, nos parents prenaient déjà en charge nos études. Donc, c'était pas facile. Fallait étudier dans ces conditions-là. Tant bien que mal, heureusement, on était dans de bonnes écoles. On a pu terminer nos études avec brio aussi parce que on aimait beaucoup étudier. C'est ce que nous devons aussi demander aux autres d'aimer les études parce que c'est le seul moyen qui peut les permettre de s'en sortir de leurs propres difficultés. On a terminé les études, on est venu à Kinshasa, nous avons fait l'université, notamment à l'IBTP. Actuellement, c'est ISAU. On a fait les études d'architecture, nous avons fait les études d'architecture. Et ce n'était pas aussi facile. Fallait marcher à pied, et vous quittez la commune de Boumbou. On étudiait ici à 24. À l'époque, avec Mouzé, il n'y avait pas de carburant, donc fallait faire le pied. Soit fallait prendre des remorques, bon, avec la vie estudiantine, vous comprenez. Fallait s'imposer parce qu'il faut être à l'école. C'était pas parce qu'on était des délinquants, mais fallait s'imposer pour être au cours. Si vous ne pouvez pas vous imposer pour prendre un véhicule ensemble, vous n'aurez pas à étudier ces jours-là. C'était pas facile. C'est ces jeunes-là que je suis, parmi tant d'autres qui se reconnaissent en nous. Nous avons souffert. Vous n'êtes pas issu d'une famille riche? Non, pas du tout. Je suis ici d'un papa qui est menuisier. Papa menuisier. Ma maman, c'est une vendeuse de poissons, pour ne pas dire commerçante. Parce que commerçant, c'est encore plus. Parce que c'était des commerces de fortune. Oui. C'est-à-dire, des jours, vous vivez les jours le jour. Mais le plus grand souci, c'est que leurs enfants puissent étudier. Et vos parents vous ont scolarisé avec le Naturellement, peu de moyens qu'ils avaient. avec le peu de moyens, nous avons eu un véritable soutien. Donc, malgré la pauvreté, Malgré la on pauvreté, peut bien éduquer les enfants. malgré la pauvreté, on peut bien éduquer les enfants. Nos parents se sont sacrifiés.
À telle enseigne, à l'université, c'était même devenu très difficile. J'ai fait les études d'architecture. Ça coûte encore plus cher que les autres études parce qu'il faut acheter les papiers. À l'époque, c'était des papiers calque. Et à la fin, il faut avoir un ordinateur obligatoirement. Il a fallu moi-même me débrouiller. J'ai déjà appris à me débrouiller à l'université. Parce que si tu ne les fais pas, tu ne vas pas t'en sortir. Au-delà des études, il fallait encore faire d'autres petits travaux bon, liés naturellement à notre domaine. J'ai eu la chance de faire un secteur où il y avait tant soit peu quelques débouchés. Il faut assister un aîné, il faut dessiner pour lui. Et tout ça, ça nous a permis d'avoir ne fût-ce qu'un petit rien pour pouvoir payer les Minerval, pour pouvoir ne fût-ce que se procurer un ordinateur, surtout à la fin de l'année, à la fin des études, parce que en deuxième licence, il fallait en avoir parce qu'on devait dessiner avec des dessins assistés à l'ordinateur. Voyez-vous, c'était pas facile. Et c'est dans cette douleur-là que nous avons été forgés. C'est dans cette douleur-là que nous avons appris à nous bâtir. Pourquoi ? On le dit. Parce que les Congolais qui nous suivent doivent comprendre. Ce n'est pas le gouvernement, l'État, qui peut demain seulement nous permettre d'aller plus loin. Nous devons être découragés. Parce qu'il faut comprendre, nous avons un État pratiquement irresponsable, qui ne met pas de véritables cadres d'épanouissement des jeunes. Déjà, des jeunes, beaucoup de jeunes n'ont pas eu la chance d'étudier. Aujourd'hui, il y a la gratuité. Mais il y en a qui ont déjà dépassé l'âge de l'école primaire. Il faut récupérer ces jeunes-là, qui n'ont pas eu le courage de faire les parcours que nous avons faits. Mais ceux qui ont eu le courage, qui étudient, ils doivent comprendre que c'est possible de devenir des véritables messieurs dans ces pays. Mais monsieur François Monsatima, je vais vous donner le temps de réagir, en fait, de toucher avec tout ce que vous abordez comme aspect en fait, lié à votre parcours scolaire et universitaire. Mais il y a quand même des gens qui vous ont permis de forger comme ça votre personnalité, parce que ce n'est pas facile. Nous avons un programme lié à notre éducation, mais qui pose problème actuellement. Mais vous, quand nous vous observons, c'est comme si vous avez peut-être été inspiré par d'autres personnages. Je ne sais pas, il faut être clair. Hein. Oui, bon, ce qu'il faut comprendre, déjà quand nous étions à l'université, ce n'était pas facile. La difficulté, d'abord, ce qui a forgé le caractère, vous arrivez, les professeurs vous disent, si vous n'avez pas de syllabus, vous ne réussissez pas dans mon cours. Et vous vous rendez compte que vous avez des parents pauvres qui sont incapables de vous acheter ces syllabus-là. Nous, nous sommes les étudiants là qui n'achetaient pas les syllabus. Maintenant, notre faute par consistait, faute des moyens. Par faute des moyens, il fallait se battre. Ça dit, il faut bien étudier. Ne fût-ce qu'avoir la moitié. Quand c'est 20 là, moi je me bats que je ne fût-ce que 11. Ce n'est pas en ayant 11 que je suis moindre, non. Mais au moins, je passe des classes. Il faut comprendre, nous avons eu des professeurs très pauvres. Des professeurs d'université, mais qui vivaient sur notre sueur. Vous imaginez les professeurs qui vendaient les syllabus. Et c'était obligatoire. Je ne sais pas, bon, peut-être qu'ils étaient mal payés. Nous comprenons la difficulté de la vie. Les professeurs devaient aussi espérer vivre mieux. Mais cette fois-là, c'est nous qui payons les prix. Vous venez des familles pauvres, vous rencontrez des difficultés comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous remettez à Dieu, et puis deux, vous étudiez durement. Pour avoir ne fût-ce que les 10 points ou les 5 points perdus à travers les syllabus. Déjà, vous partez en handicap. L'autre, ils ont les matchs à 20. Vous avez parfois les matchs à 10. D'autres professeurs, vous avez les matchs à 15. Donc, vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Lui, il a 5 points garantis parce qu'il a jeté les syllabus. Vous comprenez? Ça ne peut que forger le mental. Ça signifie que vous devez plus étudier. Vous devez plus lire que l'autre. Lire que l'autre. Mais lire, il y a aussi des ouvrages. Bien sûr. Bien appropriés lire pour ça. Par rapport à notre domaine, il fallait lire. Maintenant, quand on termine les études, c'est un autre challenge. Il faut trouver de l'emploi. Il faut être ce monsieur-là que tu as toujours rêvé. Il faut devenir quelqu'un. Il faut devenir un grand architecte. Il faut impacter la société. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première d'inspiration, il faut choisir parmi les aînés le meilleur des architectes qui t'inspire. C'est chez lui où vous allez donc, je vais faire mon stage dans les cabinets de mon maître. Par exemple, mon stage professionnel dans le cabinet par exemple, de mon maître, Nikonzila, qui est l'architecte qui m'a encadré.
un grand architecte pour qui je jette beaucoup de fleurs. De lui, j'ai appris le métier. Ça, c'est aussi une chance. Parce qu'il faut savoir choisir qui peut t'encadrer. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Donc, lorsque vous voulez espérer, il faut avoir déjà un modèle dans votre domaine. C'est ce modèle-là qu'il faut atteindre et dépasser. Atteindre et dépasser. Parce que ça, c'est un défi. Hein? C'est un défi que vous vous donnez. Je vais devenir comme lui et plus que lui. Très bien. Vous comprenez? C'était un modèle. C'était mon modèle. J'ai appris avec beaucoup de difficultés aussi. Il faut travailler durement. Parfois, vous croyez qu'on vous exploite, mais finalement, on vous forge. On vous forge, on fait de vous l'architecte qui devra faire preuve à beaucoup de difficultés. Au départ, c'était des difficultés, c'était parfois des murmures. Mais après avoir grandi, j'ai dit que non. Ce monsieur m'a rendu un service énorme. En tout cas, il mérite des fleurs. Après 2 ans, après avoir travaillé 2 ans d'une façon assidue, je me dis, je me lance en entreprise. Je vais devenir comme lui. Alors, si lui, il a un bureau d'études, pourquoi pas moi d'en créer? Vous voyez, parce que j'ai un modèle. J'en crée. En fonction de son bureau, moi aussi j'ai un bureau. Et j'ai compris les créneaux que lui a choisis pour émerger. Je me suis appuyé sur ses forces. Et j'ai corrigé aussi les faiblesses que j'ai trouvées dans mon bureau d'études. Et là, j'ai lancé, vous avez les premiers marchés qui vous ouvrent. Quand ça vous ouvre comme ça, vous constituez les bureaux, vous achetez les équipements, vous avez tout et tout, les secrétaires, tout et tout, vous organisez les bureaux. Et à ce moment-là, lorsque vous avez bien réalisé les premiers marchés, on vous fait confiance. Parce que lorsque on est en affaires, il faut savoir respecter la parole donnée. Si on vous dit de réaliser ça, 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 dans telles conditions, il faut le faire. Même si vous perdez, acceptez de le faire. Ça vous donne du crédit. Mais si vous voulez à tout coup gagner, j'ai fait ceci, c'est une perte, ça, ce sont des conseils que j'ai reçus de mon mentor. Il m'a dit, faut toujours être honnête. On te donne l'argent, termine le travail, même au prix des sacrifices. Ça signifie que les gens te feront confiance, ils viendront toujours vers toi. Il est très rare actuellement de trouver certaines personnes honnêtes. Tout de suite, quand on te paye quelque chose pour un marché, tu penses que c'est ton argent. Tu bouffes, tu vas en Europe, tu reviens, tu fais les shopping. Après, tu n'arrives pas à terminer les marchés. Tu n'arrives pas à rendre les services auxquels les services qu'on vous a demandé. Vous voyez, donc, ce sont des petits comportements, ce sont des infirmités qu'il faut corriger et bannir. Si on veut aller loin. Si on veut aller loin, il faut être un homme de parole. Vous voyez? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les parcours professionnels, ça a été un succès. En tout cas, le fait d'avoir passé ces stages, donc ça dit, ces travail professionnel, je me suis lancé parce que j'étais aguerri. Ça a été un succès, j'ai un cabinet qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Cabinet, je suis Progress Consulting. Progress Consulting. Ah, en anglais. Hein? En anglais. Très bien. Exactement. Qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Nous soumissionnons comme tous les autres cabinets concurrentiels. Nous gagnons aussi et nous perdons. Mais c'est ça, vous pouvez soumissionner ces 10 marchés. Lorsque vous en gagnez un, ça vous stabilise. Mais vous avez aussi lu d'autres ouvrages. Oui, parce que ils vous ont aussi inspiré. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Dans la vie. Exactement. L'homme que je suis, au-delà d'être architecte, je suis aussi un homme social. C'est ainsi que nous avons créé le mouvement de son enfant. Nous avons vu, quand vous allez aux États-Unis, les grandes figures, des Rockefeller, des Ford, tout ça, ce sont des gens qui savaient aussi donner aux autres. Aujourd'hui, vous avez Bill Gates, il a sa fondation qui permet d'aider les gens, d'aider les autres. Ce sont des personnes comme ça qui nous inspirent. Lorsque Dieu vous donne, il faut savoir aussi partager. C'est ainsi que nous avons mis en place de son enfant qui est une ONG qui nous a permis d'aider certaines jeunes. D'abord, pourquoi Dresse son enfant? Dresse son enfant, il faut comprendre que le pays est longtemps courbé, comme l'hymne le dit. Parce que nous l'avons tiré de notre hymne. Le pays est longtemps courbé. Les gens, les Congolais, n'arrivent pas à se mettre debout. Doit-on attendre les politiciens pour se mettre debout? Doit-on attendre un homme providentiel? Non. Nous éveillons la conscience des jeunes et des vieux
qui comprennent que ce pays leur appartient, ils doivent se mettre debout. Au-delà de la réalité gouvernementale, mais avec une solidarité entre nous, nous pouvons faire des miracles. Avec une solidarité entre nous, on peut créer des écoles, même des centres de formation, si nous nous mettions en place. C'est là où nous avons commencé. Nous avons mis un centre d'alphabétisation gratuitement et un centre de formation en informatique gratuitement. Les jeunes viennent apprendre à Binza. Nous ne pouvons pas le faire dans tous les pays parce que les minimums que nous avons nous limitent. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont plus riches que nous, qui sont même des milliardaires, qu'on en parle. Mais pourquoi ils ne peuvent pas créer aujourd'hui des écoles pour des enfants? Pourquoi ils ne peuvent pas prendre certains jeunes qui terminent des lauréats, les envoyer dans des universités prestigieuses aux États-Unis, en France, partout dans le monde? Ça, la fondation, par exemple, Rockefeller le fait. Ils sont milliardaires, ils viennent prendre des Congolais. On va vous amener dans des grandes universités, on fait de vous des hommes, et vous rentrez dans votre pays pour servir. Si les Américains le font, pourquoi nos riches ne le font pas? Dans ces pays, nous avons des gens qui sont des riches. Mais ils sont riches pour être heureux eux-mêmes. Ça, c'est manquer le savoir-être. Donc vivre pour les autres. Voilà, il faut savoir donner. Lorsque Dieu te donne, lorsque tu deviens riche, ça dit c'est la providence qui a voulu que tu deviennes riche. Et cette providence veut que tu puisses redistribuer. Penser aux autres. Penser aux autres. Vous n'allez pas rester avec autant d'argent. Autour de vous, vous avez une famille pauvre. Tout le monde vient quémander chez toi. Ne sois pas étonné que demain vous devenez les cibles des combats de votre quartier, de votre pays. Dans les pays développés, par exemple. Lorsque quelqu'un est hyperment riche, on peut aussi les taxer plus cher. On prend un peu d'argent pour soutenir les autres. Nous avons les gens à qui on a donné beaucoup de largesse dans ces pays. Ils sont incapables de construire ne fût-ce qu'un centre de formation professionnel pour des jeunes désœuvrés. Pourquoi? Vous dites, je suis milliardaire. J'ai beaucoup d'argent. Votre argent, c'est la politique et le football. Votre argent, c'est la politique et les loisirs. Non. Quand on a l'argent, on vient dans les œuvres sociales. Pas dans les œuvres sociales en jetant, non. En construisant les hommes. C'est ça la mentalité des hommes développés. Construisant les hommes. Les hommes. Comment? Parce que nous disons ceci. Par quel mécanisme? Nous disons ceci. L'homme, c'est un être qui doit être développé. Lorsque l'homme est développé, tout à coup sûr, il développe son environnement. Et dans son développement, tel que nous l'avons toujours dit, il a son savoir-être, savoir-faire et savoir-avoir. Donc mettre l'homme au centre du développement. Au centre du développement. C'est l'homme qui doit être développé pour impacter son entourage, et sa société, la communauté. Nous venons de le dire. Aujourd'hui, si vous avez un riche milliardaire qui est en lui développé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme les autres. Être développé en lui. En lui. Il a acquis un état de développement intégral. C'est-à-dire qu'il a le savoir-être, savoir-faire et savoir-avoir. Parce que quelqu'un peut avoir le savoir-faire, mais il manque le savoir-être et le savoir-avoir. Ce n'est pas un homme développé. Vous comprenez? Quelqu'un peut avoir le savoir-être, mais il n'a pas de savoir-faire. Savoir-être, donc il faut savoir-faire. Voilà. Il y a des gens qui sont riches, un grand homme d'affaires. Il a un savoir-faire. Il sait amasser des millions. Mais il n'a pas le savoir-être. Savoir-être, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut impacter la société. Hein? Savoir aider les autres. Savoir dire bonjour aux autres. Donc les valeurs morales. Les valeurs morales. Savoir respecter l'environnement. Parce que lorsque nous parlons de l'environnement, c'est le savoir-être. Parce que l'homme doit aider à faire progresser son environnement. L'environnement, il est social et il est aussi lié à son écosystème. Vous voyez? Parce que l'homme est dans son écosystème qui doit impulser vers le développement. Et ça nous écœure un peu. C'est comme ça nous interpellons tous ces hommes qui ont des moyens, qui ont plus de moyens que nous. Nous vous demandons d'investir dans la construction des hommes congolais. Ailleurs, un homme comme Rockefeller, ce n'est pas un politicien. Mais pourquoi il donne des bourses aux gens? Il recrute, moi j'ai connu un de mes professeurs qui a été formé par la fondation Rockefeller, sans débourser un rond, mais dans des universités prestigieuses. Pourquoi nous, nos riches, ne peuvent pas les faire? Et ils trouveront quel avantage? C'est ça aussi le problème.
Parce que les hommes d'affaires, très souvent, ils sont des capitalistes, ils se basent plus aux intérêts. C'est ça le problème. Oui, il faut aussi faire la part des choses. On dit mieux vaut une clôture d'homme et mieux qu'une clôture de fer ou en béton. Si tu as tout cet argent-là, qu'est-ce que tu en fais? Après tout, tu en as des milliards là-bas, tu en fais quoi? Le plaisir de l'argent doit être partagé. Parce que les gens gèrent, ils font une projection. Le plaisir doit être partagé. Une année, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais le plaisir doit être partagé parce que les gens que tu formes, si demain tu as besoin des ressources, des compétences, tu vas trouver ça où? Tu vas les prendre un blanc. Mais c'est encore plus facile dans le panel de gens que tu as envoyé en formation, d'en recruter un qui, d'ailleurs, lui sera encore plus reconnaissant parce que vous l'avez créé. Nous devons avoir des hommes visionnaires, des hommes d'affaires visionnaires. Nous devons, cette génération, je dois nous interpeller notre génération, que ceux qui vont devenir riches doivent comprendre qu'ils doivent aider aussi les autres à devenir comme eux, pour que nous devenions demain une nation forte, puissante et prospère. C'est ça la difficulté. Et c'est sans complexe comme ça. C'est sans complexe. Parce que si nous sommes de plus en plus forts entre nous, nous formons ce qu'on appelle un égrégore puissant, capable de repousser l'ennemi. Nous sommes tous des Congolais. Le Congo, c'est notre famille. C'est comme ça que nous devons voir. Lorsqu'on a une nation, c'est cette nation que nous devons porter dans notre cœur, pas une autre. Le problème du tribalisme vient encore fragiliser. Parce que lorsque quelqu'un voit des choses que sous un angle tribal, mais dans une nation qui lui appartient, c'est un cercle vicieux de malheur. Parce que demain, si vous n'êtes pas là, d'autres tribus vont venir, ils vont vous faire payer ce que vous avez fait payer aux autres. Ils vont donner les avantages indiqués comme ils ont donné, comme vous l'avez fait. Est-ce que c'est vraiment une mentalité qui peut faire progresser un pays? Vous êtes d'une tribu, vous donnez des avantages indus à vos frères. Mais vous serez pas éternel, disons. Vous ne serez pas éternel. Quand l'autre va vous remplacer, là, il fait la même chose là. Vous allez dire quoi? Vous allez encore dire que c'est vous qui serez le premier à taxer de l'autre, des tribalistes. Donc, nous devons casser avec ce genre de pratiques. De comprendre que dans une nation, il faut que le plus méritant puisse prospérer. Il faut qu'il puisse régner la méritocratie. Exactement. C'est facile comme ça, la méritocratie. Voilà. Et ceux qui ont l'argent, qui puissent donner des bourses, même pour 2 ou 3 personnes. C'est important. Si le Congo a des élites, c'est le Congo qui gagne. Parce que d'une manière ou d'une autre, ces élites se retrouveront au centre de décision. Si ce sont des mauvaises élites, c'est un poison. Mais si c'est des gens que vous êtes bâtis et formés, ces gens-là vont non seulement aider les pays, mais il ne faut jamais vous oublier. À ce moment-là, vous serez assis sur de meilleures fondations. Combien de gens, combien de riches ici au Congo, qu'on n'a pas entendu, et tous leurs noms ont disparu de la surface de la terre. C'est à cause de la mauvaise politique de succession. Ils n'ont même pas pu former même dans leur propre famille. Si vous êtes riche, il faut toujours passer les relais. Les relais, c'est ton neveu, c'est tes fils, c'est ta fille aussi. Formez-les. Et puis, quand on dit former, initier, c'est-à-dire qu'il faut lui donner tous les secrets. Quoi. Ce n'est pas que vous l'envoyez à l'école, mais les affaires qui vous ont permis d'être sur l'État, vous ne les montrez pas. Parce que lorsqu'on a été un homme d'affaires, d'un certain acabit, c'est-à-dire qu'on a des contacts, on connaît, on a un savoir immense. Si on ne sait pas l'écrire, la mère des choses, il faut les transmettre à un de tes fils, ou à un de tes neveux, ou à une de tes filles. Partez avec lui, signez des contrats avec lui, l'enfant va voir, parce que l'initiation, vous allez dire quoi? Oh, mes enfants ne s'intéressent pas à ce que moi je fais. Mais pour que les enfants s'intéressent, déjà dès le bas âge, un enfant de 10 ans, 9 ans, promène-toi avec lui, partez avec lui là où tu signes les contrats. L'enfant, à cet âge-là, les subconscients travaillent. Tous ces événements sont incrustés dans cette mémoire inférieure. Et puis ça va se développer plus loin, comme des habitudes, rôder. Donc, il est temps de préparer nos enfants pour que les investissements que vous faites ne disparaissent pas.
Parce que là aussi, c'est un gâchis. Donc tout ça, il faut comprendre. Donc c'est toute une culture que nous avons appris dans la vie que nous essayons de partager avec les autres. Alors, parlons un peu de notre jeunesse. Il faut nécessairement donner aussi quelques orientations aux jeunes qui vous suivent en ce moment. Il nous reste 20 minutes. On va échanger. Il y a des comportements, peut-être qu'on ne sait pas qualifier en fait, pour être précis, c'est plus la délinquance juvénile. Est-ce qu'il y a moyen d'orienter la jeunesse actuellement? C'est possible malgré la pauvreté, malgré la mondialisation, je ne sais pas, est-ce qu'on peut comme ça regarder notre jeunesse, orienter notre jeunesse, encadrer notre jeunesse? Merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre à tous les jeunes, d'abord le premier message qu'on peut leur donner, c'est que pour réussir dans la vie qui est la nôtre actuellement, il faut apprendre un métier. Il faut avoir une compétence. Si vous n'avez pas de compétences, c'est difficile de sortir de la pauvreté. Être bandit, être voleur n'est pas une compétence. Apprenez un métier, à travers ce métier, vous pouvez sortir de la pauvreté. Nous sommes là, en face de nous avons des caméramans, c'est tout un métier. Je ne pense pas que le caméraman qui apprend le métier ici peut se retrouver en train de voler. Il sait qu'à la fin de la journée, il peut avoir de quoi nourrir sa maison. Au-delà de cela, lui-même aussi doit se perfectionner. Ça signifie que lorsqu'il a fait ce métier pendant 5 ans, peut-être il peut progresser, il devient monteur. Il doit aller se former. Je ne sais pas s'il y a une école à l'INP pour qu'on peut former, mais il doit mettre à côté un peu de moyens pour s'émanciper. S'il est monteur, demain, il doit devenir, par exemple, un réalisateur. C'est ça le combat, c'est ça progresser dans la vie. Il ne faut pas être statique. Vous comprenez? Et lorsque vous êtes réalisateur, demain, peut-être que vous aurez votre propre chaîne. Et demain, vous devenez un boss, un grand patron. S'il n'y a pas de la magie, tout est dans la stratégie, le travail. Vous travaillez, c'est bien, mais il faut une stratégie. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai telle maîtrise, demain, je dois perfectionner. Et lorsque vous avez, à ce niveau-là, comme il n'y a pas de succès sans successeur, vous allez vous former d'autres. Parce que vous êtes un homme expérimenté. Vous encadrez. C'est ça qu'on peut demander. Mais pour nos enfants qui sont à l'école, et ils doivent surtout se concentrer dans leurs études, parce que c'est le seul créneau que nous avons dans ces pays si pauvres. Oui. Mais malheureusement aussi, l'éducation ne commence pas, n'est pas seulement l'apanage de l'école. C'est aussi l'apanage des parents. Les parents que nous sommes, nous devons veiller sur nos enfants. Veiller sur nos enfants, mais que nous envoyons à l'école. Et la base, les mêmes écoles se transforment en lieu de, sexualité, et les enfants qui développent un caractère bizarre. Prenons les cas qui frisent un peu, s'extapent, ça dérange tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes parent, comment est-ce que vous pouvez commenter, malgré les différentes décisions prises, c'est tellement sévère bien sûr, mais il faut encore aggraver, il faut encore ajouter d'autres mesures, d'autres décisions pour ces enfants qui se sont comportés comme, je manque même des mots, mais seulement c'est trop regrettable pour notre société. Oui, c'est vraiment une honte. C'est extrêmement regrettable. Je me pose la question pour les parents de ces enfants-là. Est-ce que contrôlent-ils leurs enfants? Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, nos enfants ont des smartphones, chose que nous n'avions pas quand nous grandissions. Il y a des éducations difficiles. Est-ce que les parents contrôlent-ils les téléphones de leurs enfants? Parce que d'une part, il y a l'école, mais d'autre part, il y a cette éducation difficile avec la liberté qui est la liberté des parents, qui est une liberté liberticide. Parce qu'un enfant qui a le téléphone, il a l'Internet. Aujourd'hui, il y a des sites pornographiques. Dès que vous avez les liens, vous entrez sans problème.
Et lorsque vous voyez des choses comme ça dans ces sites-là, vous croyez dans votre tête que c'est normal. C'est là où les parents doivent être à l'avant-garde. Et il faut parfois être de ces parents-là sévères, qui interdisent même les téléphones aux enfants, avant l'âge adulte. Pour que les enfants ne puissent pas perpétuer ce genre d'éducation. Nous devons être ces parents-là, qui prennent le soin de contrôler même les WhatsApp des enfants. Quand l'enfant dort, toi tu récupères le téléphone, tu contrôles. Parce qu'il ne faut pas être surpris que l'enfant soit déjà arrivé à une étape beaucoup plus défaillante pendant que vous, vous ne suivez rien. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je contrôle, je fais... C'est vraiment un état policier. Un enfant, ça reste un enfant, ce n'est pas un addict. Il faut les surveiller. Surveiller son téléphone. Surveiller même les chaînes de télé. J'ai même interdit des chaînes comme Novelas chez moi à la maison. Pas question. Il faut des chaînes qui ont... Des chaînes qui respectent nos mœurs. Pas des chaînes où les gens s'embrassent comme ça. Même les films de dessins animés, il faut contrôler les dessins animés. Il y a les dessins animés pervers qui sont en train d'inoculer des mentalités dangereuses dans les chefs de nos enfants. Et ça, ce travail, le gouvernement doit se mettre debout. Parce qu'il ne s'agit pas de condamner le fait. Mais le gouvernement doit être dans la cause aussi, de pouvoir briser les causes. Aujourd'hui, nous avons tout ce qui est Canal+. C'est au gouvernement de parler, surtout les dessins animés, qui nous amènent des mentalités bizarres. Soit carrément, il y a des chaînes qui ne passent pas. Dans d'autres pays, peut-être ça ne passe pas. Dans des pays comme la Chine, là, ils ne rigolent pas. Parce que l'éducation, c'est la base même de l'homme. Quand une adolescente se permet de faire ce qui se passe dans des films pornographiques, c'est qu'elle en consomme. Et en amont, les parents, comment en ont-ils, sont-ils arrivés jusque-là? Donc, il faut surveiller les enfants. Et de l'autre côté, au gouvernement, de mettre en place des mécanismes pour permettre de contraindre certaines chaînes, certains adultes de pouvoir abuser de nos enfants. Parce que ce que nous avons entendu, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment déplorable. Au gouvernement aussi de créer des prisons pour les mineurs. Parce que un mineur qui a fait un acte doit être puni. La punition, ce n'est pas de cesser de l'éduquer. Mais la punition, c'est de les contraindre dans une peine. Il y a des prisons pour enfants. Il peut passer une année dans un centre de rééducation. À ce moment-là, il comprendra que l'acte que j'ai commis peut m'amener très loin. Et les enfants qui sont au courant de cette action comprennent que voici ce que les dangers qui peuvent encourir si nous faisons ce genre de bêtises. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures draconiennes et sévères pour que des actions comme ça ne puissent plus se répéter? Nous avons des prisons pour enfants, ces enfants doivent être jugés. Ils sont en partie responsables. Ils ont diffusé des images à travers des réseaux sociaux. Personne n'était là, donc ils ont pris le plaisir de le faire. C'est manquer même de morale. Faites ça à vos amis et les partagez dans les réseaux sociaux. Pour quelle consommation? Pour quelle fin? Mon Dieu! Donc, il faut des mesures disciplinaires exemplaires. Qui n'arrêtent pas leur éducation, mais qui, au contraire, va forger leur caractère. Et ils vont servir d'exemple pour les autres enfants. Très bien. Alors, maintenant, là, quelques questions d'actualité, parce qu'il faut nécessairement... On essaye aussi d'avoir votre avis en tant que grand H, le grand de ce soir. Et parlons de ces problèmes, des lois qui ne sont pas respectées par les exploitants miniers. Je ne sais pas, les Chinois, en termes clairs, Alain Foucault qui a voulu comme ça réaliser quelques émissions ou quelques enquêtes en âge limité. Et nous ne savons pas, vous en tant que citoyen congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est sabotage, cette façon de bafouer nos lois par les expatriés. Est-ce qu'on peut quand même trouver des solutions là-dessus? Mais nous avons un gouvernement. Et j'ai vu l'équipe qui a fait ces enquêtes. On parlait avec le gouverneur de la province. On parlait avec le ministre provincial de Mines. Ils ont parlé avec
Madame la ministre des Mines de notre pays national. Ils ont présenté les faits comme tels. Ça signifie quoi? Il y a un moment, ce pays n'était pas gouverné. C'était un no man land. C'est-à-dire, n'importe qui, un hors la loi, peut venir établir sa titelle. Sous la bénédiction de qui, on ne sait pas. Nous n'avons pas d'éléments. C'est la défaillance de la gouvernance de notre pays. C'est une honte. Maintenant, le gouvernement qui est là, les faits sont là. Ça signifie un seul fait peut démontrer que des faits comme ça sont légion. C'est au gouvernement maintenant d'établir une politique de contrôle de toutes nos zones minières. Il faut qu'il y ait, peut-être par mois, par trimestre, un contrôle en survolant tout notre espace avec des drones ou bien des avions pour voir qu'est-ce qui se passe dans X, Y périmètres, dans des zones minières, qu'est-ce qui se passe, dans des zones forestières, qu'est-ce qui se passe. Il faut que le gouvernement ait une idée totale de la réalité de notre pays. Pour gérer un grand pays comme les autres, nous devons être des hommes d'ambition et fiers. Nous avons la chance d'avoir un grand pays si riche. Mais nous devons être à la hauteur de ces pays. On n'est pas là à pleurnicher. On est là à apporter de véritables réponses. Ces gens qu'on a découverts là-bas, ni titre ni qualité, qui ont même cassé les ponts, ces gens-là doivent être arrêtés. Est-ce qu'on les a arrêtés? Ils doivent être jugés pour servir d'exemple et savoir comment sont-ils arrivés là. Un Chinois qui n'a ni document se retrouve comme par hasard dans une mine congolaise. Non. Comment a-t-il traversé les frontières sans papier? Tout ça, ça démontre aussi la qualité poreuse de nos frontières. Comment les étrangers sans papier peuvent-ils passer des frontières si des Congolais ne leur donnent pas accès? Tout ça, ça doit être bien étudié. Il faut qu'il y ait une réflexion. Parce qu'on peut s'alarmer maintenant, mais il faut qu'il y ait un groupe d'experts autour de ces problématiques en matière de sécurité qui puisse étudier tous ces problèmes afin de donner des réponses appropriées auprès du gouvernement. Parce que dans les matières comme celle-là, on peut décrier, on peut parler, mais il faut une étude approfondie. Parce que c'est un système qui existe dans notre pays, peut-être depuis un bon bout de temps, qu'il faut démanteler. Heureusement, cette fois-là, on a changé de gouvernance, on commence maintenant à trouver certaines failles qu'il faut colmater maintenant. Et nous demandons, nous interpellons au gouvernement de mettre en place une commission. Une commission en matière de sécurité. Nous avons déjà une police des mines. La police des mines, elle est là pourquoi? C'est pour sécuriser toutes ces carrières. C'est pour sécuriser nos matières premières. C'est à eux, ensemble, avec l'Agence nationale des renseignements, de mener des investigations. Comment les gens entrent dans nos frontières avec la DGM? Une équipe avec un panneau, avec des panoplies d'experts de sécurité, l'ANER, la DEMIAP, tout ça, réunis dans un panel d'experts, ils étudient les problèmes et ils vont apporter des réponses sur la table du ministre et du chef de l'État. Ainsi, les véritables réponses vont être trouvées. Mais ce que nous disons, ce sont des voix, pas des réponses. Approprié. C'est au gouvernement qui a la charge d'apporter la sécurité, qui peut apporter les soulagements ou qui peut redresser ce secteur pour que les Congolais puissent en tirer profit. Voilà, il nous reste 8 minutes et j'aimerais de votre part avoir quelques orientations pour nos jeunes qui sont là sans emploi et ils pourront s'en sortir comment. Est-ce que vous avez quand même des propositions concrètes à donner aux autorités? Qui nous dirige? Ah, ce pays a tellement de nombres incalculables de chômeurs. Nous n'avons même pas de statistiques, mais nous tous nous savons que la majorité des Congolais est chômeur. Parce que vous sentez combien les gens vous demandent en sortant de la maison jusque là où vous arrivez.
Si quelqu'un travaille, il ne peut pas demander. C'est pratiquement la majorité des gens qui demandent. Tout le monde veut qu'on lui donne. C'est très rare de trouver quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui donne. Donc, c'est une mentalité, on peut dire certes, mais c'est une réalité liée au chômage. Maintenant, pour lutter contre ce chômage, il faut une réelle politique de formation de ces jeunes qui sont d'abord sans, qui sont pas formés, mais pour ceux qui ont l'emploi, il faut leur créer des débouchés. Mais c'est pour cela, dans un pays comme le nôtre, les emplois, les études, comme les gens s'adonnent trop aux études économiques, tout et tout, le pays n'est pas construit. Vous êtes économiste, vous allez gérer quoi? Les pays comme les nôtres, il faut beaucoup d'hommes de métier, beaucoup d'hommes de métier. Il faut parfois faire la conversion. Vous avez été, par exemple, un comptable, vous faites une conversion peut-être vers la menuiserie. Vous faites une conversion vers la coupe et couture. Ce sont des créneaux. Avec vos atouts de comptable, vous pouvez maintenant monter une bonne société de coupe et couture. Vous allez vêtir les Congolais. N'attendez pas ce gouvernement qui est parfois irresponsable, qui parfois n'essaiera pas même de vous apporter les solutions tout de suite. Jeunes Congolais, réveillons-nous. Soyons inventifs. Battons-nous. Et demain, si nous créons cette classe-là, par nous-mêmes, ces politiciens vont nous respecter. Ils viendront plus nous dire des discours inutiles. Un député qui vient vous dire, je vais construire un pont, pendant qu'il sait que ça ne sera jamais son action. Un député qui vient vous promettre un monde de merveilles, pendant que ce n'est pas dans ses actions, c'est dans les actions du gouvernement. Juste un jour, il vous apporte du pain, tout ça, des polos, vous les votez, sans discours cohérent de développement. Il sera même incapable de contrôler le ministre. Mais cette formation demande aussi des moyens. Mais c'est cela, ces moyens, c'est là où les bas blessent. C'est là où nous en demandons aux solidarités. Nous demandons aux Congolais qui ont un peu d'argent, qui ne font pas de la politique. Pourquoi on ne peut pas créer une caisse de solidarité pour créer des écoles pour ces jeunes? Aimons ces pays. Aimons ces pays. Créons des centres de formation professionnelle. Nous n'avons pas assez d'argent. Mais pour le minimum que j'ai, on a mis un centre de formation professionnelle. Un petit centre. Aujourd'hui, les mamans de son enfant, ils savent lire et écrire. Je suis l'homme le plus heureux pour avoir contribué tant soit peu à l'humanité. Et précisément dans mon pays. Nous avons des jeunes qui ont terminé, qui ne savaient pas manier l'ordinateur. Aujourd'hui, ils manient l'ordinateur. Ça ne peut être une fierté. Mais je ne suis pas si riche. Je suis un homme d'affaires qui essaie d'en sortir, de nouer les deux bouts du mois, qui peut voyager, donner un minimum aux enfants. Mais j'ai été comme ces jeunes-là. Je suis leur incarnation. Aussi pauvre, marchant pied. Juste pour aller étudier. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais déterminé. J'étais déterminé. J'ai travaillé à fond. Élevons notre conscience. Réunissons-nous, les jeunes de bonne volonté. Mettons en place des moyens. Ceux qui ont un peu qui gagnent un peu là-bas, créons une caisse de solidarité. Soutenons les autres et devenons des hommes forts. Et vous verrez que nous allons détenir nous-mêmes notre économie. Vous verrez que ces politiciens avec des discours démagogiques ne vont plus circuler dans nos rues pour venir nous mentir. Hier, nous avons dit Kabila était notre malheur, que Kabila parte, ou Kabila ceci. Voilà les discours. Aucun plan politique, après vous arrivez aux affaires, vous ne proposez rien du tout. Il faut demain choisir ceux qui ont des véritables discours. Il faut demain choisir ceux qui ont un plan de sortie. J'essaie. Mais la volonté y est. La volonté y est. Le peuple a besoin des changements. Peut-être qu'il ne sait pas comment faire ces changements. Et nous sommes là en tant que leaders de ces peuples, de leur montrer le chemin. De leur dire, voilà, nous avons été comme vous. Nous avons étudié dans les mêmes conditions que vous. D'autres sont venus par-ci, par-là. Ils ont vécu dans des conditions le meilleur possible. Ils n'ont pas connu la souffrance que nous avons connue. Nous avons marché à pied ici.
Mais d'autres ont eu des parents qui avaient l'argent. C'est les mêmes noms qui reviennent. Mais des gens qui ont vécu une vie de luxe. Et vous votez les mêmes noms. Ou peut-être que vous voulez que ces mêmes noms vous dirigent encore. Est-ce qu'ils connaissent vos problèmes? Est-ce qu'ils connaissent vos mots? Il faut donner la confiance à ces jeunes qui ont vécu comme vous, qui ont réussi. Pas des jeunes qui ont vécu comme vous, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas de leçons à vous donner. Et demain, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils se servent d'abord. Nous, au moins, on sait qu'il est jeune, il a vécu comme nous. C'est un entrepreneur, il a mis son entreprise, il peut voyager. Ses enfants sont dans une bonne école. Ce n'est pas parce qu'il a pris l'argent de l'État, parce qu'il a travaillé. Et je veux être comme ces jeunes-là. Voilà, ça n'est fini, M. Fanfan. Un défi, un sentiment. Un mot de conclusion. La conclusion, chers compatriotes, ce pays est le nôtre. Si nous prenons notre temps de venir parler à la télévision, c'est parce que nous vous aimons. C'est difficile de passer par la rue que tout le monde te demande parce qu'il manque d'emploi. Alors, nous sommes venus partager ce savoir en tant qu'un homme développé, en ayant un savoir-être, un savoir-faire et savoir-avoir, nous ne pouvons que faire ce travail de venir partager avec vous ce message de réconfort, ce message de courage pour que demain, nous puissions sortir ce pays du tout. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fanfan Ndefi Mansatima, président de ce grand mouvement citoyen de son nom franc, qui était notre invité ce soir, l'écran qu'on a reçu pour vous, grand homme. Et je crois que très prochainement, on va encore faire appel à vous pour d'autres questions. Merci. Très gentil de votre part. Merci à toute l'équipe. Merci à M. Olivier Longwango. Et je vois là aussi M. l'héritier Toubilandou. Et pourquoi pas Mourojambé. Je n'oublierai pas lui qui nous a réalisé cette émission, coordonnée par l'Inca Bongo, programmation Romain Makonda, exploitation Bruno Nzinga, Dieu merci Kifou, Fistoire Tonga et Christian Banjolo. Et je n'oublierai pas aussi notre stagiaire Jedidia Sita, stagiaire professionnel, que nous tenons là à saluer. Jedidia Sita, la rediffusion, c'est demain samedi à 9h. Portez-vous bien, Doudou Montiri, vous aime beaucoup. Vous voulez être invité, appelez au numéro affiché. Donc je peux vous communiquer, vous communiquez le numéro en question, plus 243 89 61 52 634. À la prochaine occasion, merci à M. Yonkai à l'observation.